Et merci pour le verre d'eau. Puisqu'on était tellement béni le week-end dernier sur ce thème de la culture d'honneur, j'ai eu à cœur de continuer un peu sur ce thème-là. Et ce matin, nous allons regarder ensemble le langage de l'honneur. Pourquoi Parce qu'on a appris que l'honneur n'est pas quelque chose de passif. L'honneur s'exprime. L'honneur se voit se fait voir, se fait entendre. Et nous allons creuser ensemble. Pour commencer, on va regarder le verset qui était notre point de départ le week-end dernier, dans Romains 12. Et verset, on va donner le contexte, 9 à 12, dans la version Louis II en premier, puis dans une autre version qui est encore parlant. Regardons cela. Euh, parfois, Louis II va utiliser le mot charité à la place d'amour, mais c'est la notion d'amour fraternel avec ce mot-là. D'accord Donc, lisons la parole et laissons cette parole imprégner notre esprit pour démarrer notre matinée ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. J'aime bien quand la Bible parle du ferveur, de passion, de zèle. Soyez fervents. Dans ma marge, il est marqué Soyez bouillants d'esprit. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Deux mots honneur se trouvent en plein milieu de ce contexte-là, parlant de l'amour fraternel, du service dans la maison de Dieu, de la prière, de la persévérance, de euh, d'avoir euh, une énergie, une intensité dans ce que nous faisons. Donc cela nous parle ce matin parce que Dieu veut transmettre quelque chose à notre cœur. Regardons une autre version, français courant. C'est aussi très parlant et avec un langage qui nous interpelle. Cette version, cette version dit, l'amour doit être sincère, sans hypocrisie, sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien, ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres ou mettez du zèle à vous honorer les uns les autres. Tiens, ce n'est pas du tout passif ce langage-là. Du zèle, c'est quelque chose de fort. Et la Bible nous instruit d'agir avec ce zèle en ce qui concerne l'honneur les uns pour les autres. Et puis ça continue. « Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. » Soyez patient dans la détresse et priez avec fidélité. Ça dit tout, n'est-ce pas? Alors, de quoi consiste le langage d'honneur? Si nous voulons creuser un tout petit peu, nous allons voir que finalement, il y a une grande différence entre le respect passif et le respect actif. On va voir également que l'amour est quelque chose qu'on possède et qu'on partage avec les autres. Et finalement, nous allons découvrir que comment apprendre, honorer par notre langage la personne qui est en face de nous, sa valeur et surtout la grâce de Dieu dans la personne. Ok Donc déjà, je suis très contente et très heureuse de faire partie de cette église parce que je vois qu'il y a l'honneur dans cette église. L'honneur se voit par les gestes ou les actions et les paroles. Donc voyons un peu côté geste, c'est la communication non verbale, n'est-ce pas Un geste d'honneur. J'en ai plein d'exemples. J'étais vraiment ravie cette semaine de juste considérer cette question un peu, de réfléchir, d'observer. Et vous savez quoi J'ai découvert qu'il y a plein de frères et sœurs qui agissent avec l'honneur. Je vous donne quelques exemples. Pasteur Jean-Pierre, tu savais Il y a plein de frères et sœurs. Qui donnent leur dîme à l'éternel. Il y en a plein. On se grattait un peu la tête, on se mordait un peu les doigts parfois quand on regardait les comptes, mais finalement, il y a des frères et sœurs qui sont fidèles, qui ont compris Proverbe, verset, chapitre 3, verset 10 ou 9 par là, qui dit Honore l'éternel de tes prémices. C'est un très bon exemple, un geste concret qui correspond à ce langage d'honneur. Merci Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui sont à votre service. Pourquoi Par honneur. Est-ce que vous vous sentez honoré Je vais vous aider si ce n'est pas le cas. Par exemple, l'équipe d'accueil qui arrive de bonne heure, qui nettoie le café-bar, qui prépare café, thé, gâteau et autres, c'est un honneur pour vous qui arrivez. Qui, vous, qui viennent pour servir le Seigneur, pour écouter son cœur, mais vous êtes servis en premier par un beau sourire et un, une tasse de café, ou tisane, ou de thé. C'est l'équipe d'accueil qui honore les frères et sœurs. J'ai pensé aussi à des frères dans l'équipe de louange. Vous allez voir ça. Après, et parfois avant aussi, des réunions, ce sont des frères qui prennent... Les gros trucs, les retours, le piano et tout. Et je suis très honorée quand ils se mettent en action comme ça. C'est l'honneur. C'est pas parce que les femmes ne peuvent pas porter des choses lourdes, que ça soit clair. Non. <laughs> c'est un honneur. Et j'avoue, j'ai dû apprendre à C'est vrai, c'est vrai. J'apprends l'honneur aussi. Mais personne ne leur a demandé. C'est eux qui ont pris l'initiative pour honorer les sœurs. En portant des choses, en rangeant des choses, en participant au nettoyage à la fin. Mais quel honneur, vous vous rendez compte? J'ai pensé aussi au département d'art et multimédia. Oh, ils vous honorent, ces gens-là, honorent ces gens-là par les heures qu'ils passent dans la créativité, dans l'apprentissage des nouvelles techniques. Ils perfectionnent les communications, les outils qui sont à notre disposition. Et tout ça s'est fait bien euh, en dehors de notre vue. On ne sait pas les heures investies pour notre Église. Vous vous rendez compte C'est le langage d'honneur par les gestes. J'ai pensé à l'équipe d'intercession qui est là parfois à 8 heures du matin et deux fois par mois le jeudi soir. Ils font pas ça pour leur santé ils font cela pour honorer le peuple de Dieu honorer Dieu et honorer sa maison. Il passe des heures dans le combat spirituel, dans la prière, dans la recherche du cœur de Dieu. Il paie un prix. Quand vous êtes malade et vous m'appelez, je dispatche le message et la prière est mobilisée. Pourquoi Par honneur. Merci Seigneur. Je pense aussi à l'équipe de suivi. Après les cultes, ces personnes qui sont disponibles pour vous honorer, pour être à votre service. Parfois, certains sont debout jusqu'à 14h l'après-midi pour vous honorer, pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches. Et en semaine aussi, c'est l'équipe de suivi qui vous accompagne, qui reste à votre disposition. Je pensais à l'équipe administrative cachée dans les bureaux pendant la semaine, qu'on ne voit pas forcément présent sur une scène quelque part, mais qui investit des heures pour le bon déroulement du culte, le bon déroulement des, de l'association culturelle, et vraiment par engagement, par cette persévérance, c'est leur langage d'honneur. Vous vous rendez compte J'ai pensé également au MAE, le ministère aux enfants. Cette équipe, par leur dévouement, par leur amour pour vos enfants, vraiment chapeau pour cette équipe-là. Investi passionné, engagé par honneur pour vous. Ce soutien pour votre rôle de parent a une valeur inestimable. Vous vous rendez compte à quel point déjà la culture d'honneur est cultivée parmi nous et c'est quelque chose à développer dans nos vies personnelles et dans notre vie collective. J'ai pensé aussi aux responsables de cellules qui vous ouvrent leur maison, qui prépare peut-être un, un goûter, qui, qui prépare un message, qui cherche le Seigneur pour bien conduire la cellule. Pourquoi? Par honneur pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut remercier ces personnes-là parce qu'ils nous ont montré l'exemple? Merci. Vous savez, j'ai pris le temps de citer quelques exemples non pour nous montrer combien de personnes sont mobilisées ou qui servent, mais pour nous aider à réaliser à quel point nous avons déjà vu grandir, manifester parmi nous la culture d'honneur. Et en fait, la question se pose pour chacun de nous, parce que nous savons que naturellement, dans notre éducation, dans notre culture, dans notre contexte de la société, on n'a pas vraiment appris l'honneur du royaume de Dieu. Donc la question se pose, quelle, que dois-je faire, moi, en tant que chrétien, pour renverser tout ce qui s'est installé dans ma tête, dans mes habitudes, qui a produit, par, par exemple, des mauvaises habitudes, ou qui m'a fait négliger l'honneur Ça vous parle, cette question-là Ça m'a travaillé. Je crois que nous avons compris, c'est vrai, nous sommes tous appelés à honorer d'abord Dieu et après sa création, n'est-ce pas? Mais la question maintenant, c'est comment? J'aime bien parler des choses concrètes. J'aime bien parler des choses qui, que nous pourrons appliquer dans notre vie, non seulement le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. Pour marcher dans l'honneur et refléter le cœur de Dieu. Alors, dans la société, c'est vrai, la société, on a vu qu'il euh, y a un langage qui est plus côté déshonneur. Il y a un langage qui est très égocentrique, par exemple, très rempli souvent de euh, rivalité ou de jalousie parce qu'on cherche ses propres biens, euh, son bonheur personnel et tout cela. Et forcément, si nous avons grandi dans cette société, nous avons appris ce langage-là ce matin le Seigneur veut nous présenter l'occasion d'apprendre une nouvelle langue la langue d'honneur ce que j'appelle la langue d'honneur c'est en fait le lang la langue du ciel et à vrai dire c'est aussi la langue ou le langage du Saint-Esprit alors quand on regarde qu'est ce qui nous a influencé jusqu'à aujourd'hui on voit par nos réactions parfois charnelles ou par euh, les choses qui nous troublent ou qui nous frustrent, qui, nos réactions sont toujours euh, influencées par le monde. Je vous donne un exemple. Ok, je serai très transparente ce matin. Pas plus tard que cette semaine, on a parlé, euh, de, il me semble, on a parlé des des personnes qui arrivent en retard ou quelque chose comme ça. Et je m'entends dire, ah oh, bah ben, ça c'est leur problème. Et c'était moitié une blague, mais moitié sérieux. Et après, en rentrant, j'avais en fait honte que j'avais réagi dans la chair comme ça. Au lieu de dire quelque chose d'honorable, j'ai sorti ça. Et peut-être avant, j'aurais considéré ça anodin. Mais là, puisque le Seigneur me travaille, je n'ai pas apprécié ce qui est sorti de ma bouche. Donc, j'ai pu me repentir devant le Seigneur. Et non seulement me repentir, mais traduire cela, transformer cela et prier une bénédiction sur les personnes. Au lieu de les critiquer, pourquoi Parce que je suis interpellée moi-même à ce sujet, mes amis, et je crois que le Saint-Esprit veut réveiller quelque chose en nous, quelque chose qui va nous faire réfléchir avant de sortir n'importe quoi de nos bouches, quelque chose qui va nous permettre d'agir comme Jésus agit et de parler comme Jésus a parlé. Donc, un autre exemple. Ah oui, ça c'est très courant de nos jours. Le réflexe je suis pas d'accord. Oh là là, ça m'a vraiment frappé la première fois que j'entends ça. Dites de cette manière-là. On ne se donne pas la peine de dire, euh, c'est très intéressant ton avis, mais euh, je ne partage pas tes pensées. Non, on dit, je suis pas d'accord. <laughs> N'est-ce pas Tu apportes tes propos avec des bonnes intentions. Je ne suis pas d'accord. Vous savez quoi Ce pas un langage honorable, ça. C'est le ce langage du monde. Ce langage là est réservé pour ton ennemi et pas ton frère. Ce langage là est réservé pour celui qui vient te chuchoter tu vas jamais réussir. Pas d'accord. Le diable qui vient te mentir, qui vient te dire qu'est-ce que tu es moche. Je suis pas d'accord. Je suis une créature merveilleuse. Tu vas pas arriver. Je suis pas d'accord. Même ce matin, oh là là, le Seigneur m'a bien mis à l'épreuve. J'entre dans ma voiture, je tourne, rien ne se passe. La clé n'a pas démarré ma voiture. Première réaction, je suis pas d'accord. Surtout le jour où je dois apporter la parole de Dieu à l'assemblée. Je tourne une deuxième fois, toujours rien. Non, mais je ne suis vraiment pas d'accord. Troisième fois, je tourne et toujours rien. La voiture ne voulait pas démarrer. J'ai posé ma tête sur le volant et je me suis mise à chanter Mon Dieu est un Dieu puissant qui règne dans son sein Dieu avait sagesse, amour et mon Dieu est un Dieu puissant. Et ça démarrait, alléluia. Pourquoi Parce que je ne veux pas me laisser influencer par mon ennemi, le diable. Et je vais me lever dans la foi avec ce zèle dont parle la Bible, avec cette passion, avec cette intensité, parfois même avec agressivité, pour renverser les mensonges qui me sont lancés par mon ennemi. Quand il dit, on ne t'aime pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis accepté et aimé par mon Dieu et par son peuple. Quand il te dit laisse tomber abandonne c'est pas la peine de travailler ça de poursuivre que je ne suis pas d'accord je vais le dire encore encore et encore jusqu'à ce que ça rentre pourquoi cette réaction est pour moi mon bouclier l'ennemi lance des traits enflammés il veut nous faire croire ses mensonges il veut nous faire avaler ses bêtises et je refuse dans le nom de Jésus pourquoi ça fait des dégâts dans ma vie, ça fait des dégâts dans mon couple, ça fait des dégâts dans mes relations, dans mes amitiés. Dès que je reçois le mensonge, je suis manipulée par Satan. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sa victime, je ne suis pas sa marionnette, je ne suis pas son esclave. Je suis esclave par amour à la parole de Dieu et au Seigneur Jésus-Christ et à aucun autre. Donc quand il veut chuchoter quoi que ce soit dans mon cœur, je lève la voix, parfois audiblement, je ne suis pas d'accord. Et c'est ainsi que je commence à renverser les mauvaises habitudes. Ce langage-là, réservé à Satan, réservé au diable, à mon adversaire, et non à mon frère et ma sœur. Il y a parfois besoin, on a besoin parfois de dire, je suis pas d'accord quand la chair nous parle aussi. Allez, laisse-toi dormir encore une demi-heure, c'est pas grave, tu vas rater le moment de prière. Je ne suis pas d'accord, je vais me lever parce que j'ai envie d'être avec mon Dieu. Je vais pas me faire voler. Je vais résister à cette tendance de la chair quand elle veut me parler. D'autres termes, je veux apprendre laisser parler mon esprit au fond de moi, plus fort que ma chair et plus fort que mon adversaire. Et ça rime. En plus, ma louange fait taire ma chair et mon adversaire. Ça, c'est pas mal. Mais de toute façon, une réaction directe, une réaction intense pour résister à la chair, résister à l'ennemi, porte toujours du fruit. Amen. Revenons maintenant. Si on veut parler du langage de l'honneur. Si nous comprenons que c'est la langue ou le langage du ciel, c'est le langage du Saint-Esprit, frères et sœurs, on a intérêt à être soumis au Saint-Esprit pour qu'il change notre vocabulaire, qu'il change notre manière de parler et de réagir. J'ai pensé à l'exemple d'apprendre une nouvelle langue. Il y a des astuces si on arrive dans un pays étranger et on veut apprendre le, le, la langue de ce pays. Je vous donne des exemples parce que dans le naturel, on a aussi des notions qui sont applicables spirituellement. Numéro un, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu dois refuser de parler ta langue d'origine si tu veux vraiment être immergé dans la nouvelle langue. J'arrive en France il y a 25 ans de cela et j'ai décidé le jour où mon pied a touché le sol. I'm not going to speak English anymore. Au moins dans un premier temps, pour apprendre le français comme il faut. Donc, même si j'avais du mal à m'exprimer, même si j'étais maladroite, je me suis efforcée de développer cette nouvelle langue. Et peut-être que c'est vraiment euh, mal exprimé dans un premier temps, mais on développe l'habitude et on en on apprend la grammaire et on apprend le vocabulaire. Mais le geste premier, c'était refuser de parler l'ancienne langue. Pourquoi Parce que c'était trop facile de glisser dans les anciennes habitudes. Vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas vrai spirituellement parlant Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir ce même réflexe Je refuse de parler cette langage, ce langage charnel, ce langage du monde. Non. Je veux parler les paroles de mon Dieu. Je veux exprimer par ma bouche les paroles du Saint-Esprit dans toute situation. C'est facile d'exprimer les paroles de l'Esprit le dimanche matin. On ne parle que de ça. Les chants inspirés par l'Esprit, la prédication directe de la parole de Dieu. Et notre langage est très, très religieux et très chrétien le dimanche matin, n'est-ce pas? Mais je ne vous parle pas du dimanche matin, ça c'est fastoche. Je parle du lundi. Non, je parle déjà de dimanche soir à la maison quand ça va pas trop dans le foyer. À ce moment-là, est-ce que ta langue est possédée par les anciennes habitudes ou possédée par le Saint-Esprit Je parle dans ton couple quand tu t'adresses à ton conjoint ou mesdames. Aussi, notre manière de nous exprimer parfois peut être très déshonorable. Parce qu'on se dit, mais j'ai besoin de m'exprimer, je suis une femme, j'ai des émotions et blip, on laisse sortir n'importe quoi. Nous, particulièrement les dames, notre manière d'adresser la parole à nos maris, est-ce qu'on a pris le temps d'apprendre une nouvelle langue avec nos plus proches, avec les personnes les plus importantes dans notre vie? C'est un défi, mais ça vaut la peine de poursuivre vraiment. C'est un apprentissage important pour notre vie. Donc, laissez tomber l'ancien langage. Deuxième point, il nous faut pour apprendre une nouvelle langue la concentration et même, je dirais, l'écoute. La meilleure manière d'apprendre, par exemple, la bonne prononciation d'une nouvelle langue, c'est être à l'écoute, n'est-ce pas L'accent nécessaire, où on met, sur quelles syllabes on met les emphases et tout ça. Concentra concentration et écoute, ça joue énormément. Donc, j'ai intérêt à écouter ce que mon Dieu me dit et sa manière de me le dire. Vous savez, il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu il veut également que nous connaissions sa voix, sa manière de nous parler. Donc, je me concentre, je me mets à l'écoute. Je veux développer cette oreille qui écoute sa voix. Troisième chose. Mémorisation. Pour apprendre une nouvelle langue, on a intérêt à avoir un petit carnet, n'est-ce pas, et écrire des mots de vocabulaire à mémoriser, comme font les, les enfants euh, à l'école maternelle. Souvent, c'est de cette manière-là que le vocabulaire est enrichi. Et je prie, Seigneur, enrichis mon vocabulaire d'honneur pour que ces mots valorisants pour que ces mots honorables remplacent les vieux mots déshonorables. Quatrième point pour apprendre une nouvelle langue, ne pas avoir peur de faire des erreurs. La seule manière qu'on a pu surmonter l'intimidation pour apprendre la langue française, c'était renoncer à la peur. Même si on se moquait de nous au début, on disait parfois les choses embarrassantes par manque de connaissances. Mais on a persévéré et on persévère encore. Je veux persévérer également dans le langage d'honneur. C'est trop important pour devenir le peuple que Dieu a souhaité, que Dieu a envisagé pour se payer. Vous comprenez Un peuple qui sait parler le langage d'honneur est un peuple prophétique. Pourquoi parce que le langage de Dieu est communiqué prophétiquement par notre manière d'agir et notre manière de parler. Donc, on va se concentrer, on va mémoriser, on va renoncer à la peur de faire des erreurs. Et le cinquième point, pour apprendre une nouvelle langue, passer du temps avec ceux qui parlent cette langue. N'est-ce pas vrai Si je m'entourais au début avec des anglophones, J'apprendrai jamais. Mais j'ai plongé dans la culture, j'ai plongé dans les rencontres, même au début, si je ne comprenais pas trop bien. Pourquoi Parce que si je m'entoure, j'entends, j'apprends, j'observe. On a intérêt à passer du temps avec notre Seigneur. Amen. Et apprendre sa manière de parler à ses enfants, à ses filles bien-aimées, à son fils bien-aimé et parler de la même manière, apprendre son vocabulaire et mémoriser sa manière d'exprimer ses vérités. Alors, il est nécessaire d'apprendre la langue, mais il faut également apprendre, renverser dans notre habitude, dans notre mentalité, ce qui existe déjà depuis X années, qui est déshonorable. Et nous pourrons nous fixer un objectif, par exemple, se dire, OK, je vais commencer à apprendre un à un comment m'adresser à quelqu'un d'autre. Que faire si tu ne sais pas quoi dire? OK, tu, tu cherches des mots, tu, tu as envie d'obéir au Seigneur et développer l'honneur, mais tu ne sais pas quoi dire à la personne en face de toi de manière honorable. J'ai appris quelques astuces. Ça vous intéresse de les avoir Ok. Trois petites choses. J'ai appris, premièrement, focaliser sur les qualités admirables chez la personne. Avant de parler de quoi que ce soit, avant de dire que tu n'es pas d'accord, parle d'abord des qualités admirables. Cherche et tu verras, tu trouveras, tu vas... Détecter, tu vas observer des qualités et tu vas pouvoir aborder la personne en parlant de cela en premier. Pourquoi Parce que Dieu fait pareil. Même quand il était obligé de corriger son peuple, relisez Apocalypse 2 et 3 si vous voulez bien. Il a dû corriger les églises. Les sept églises, six sur sept avaient besoin d'une correction sérieuse, grave. Mais Dieu a toujours dit, vous avez bien fait ceci, cela et cela mais j'ai ceci contre vous il faut revenir à votre premier amour ou quelque chose comme ça puis à la fin il a clôturé avec sa promesse si vous faites cela vous serez couronné' modèle ce modèle est pour nous un exemple de comment Dieu parle à son peuple pourquoi pas ne pas tirer pourquoi ne pas tirer des exemples de sa manière de parler tout est écrit de toute manière c'est un beau manuel pour apprendre une nouvelle langue donc première chose parler des choses admirables deuxième chose honorer ce que Dieu fait chez la personne. D'accord Peut-être tu me dis aujourd'hui bah ouais euh, je fais face à quelqu'un de très difficile et j'ai du mal à trouver des qualités admirables chez elle. <laughs> Mais tu peux discerner ce que Dieu fait et parler de cela. Valoriser l'œuvre de Dieu dans la personne, c'est glorifier Dieu. Et c'est honorer la personne. Est-ce que vous vous rendez compte Il y a des petites astuces que nous pourrons développer très très facilement pour communiquer comme Jésus. Il communique. Parler d'abord des qualités admirables. Deuxième chose, reconnaissez et valoriser ce que Dieu fait. Troisième chose, honorer le potentiel chez cette personne. Peut-être il n'est pas encore arrivé à, à la perfection. On est tous dans le même bateau à ce sujet-là. On est loin de la perfection. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous, vous et moi, nous possédons en nous un potentiel énorme pour devenir ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a envisagé. Donc nous allons apprendre à parler de cela, honorer le potentiel chez la personne, même nourrir sa foi pour qu'il se lève pour réaliser ce potentiel. C'est très important dans nos relations, dans nos couples dans nos amitiés, dans nos équipes de service, toujours reconnaître le potentiel de quelqu'un et permettre à ce que Dieu fasse grandir cette personne. Vous savez, on a la possibilité de participer à la croissance des autres ou bien ralentir la croissance des autres. Et c'est ça notre défi. Est-ce que nous allons contribuer à l'édification, à la construction de la personne? Ou à la destruction de la personne. Ça se joue par ce que nous disons, par nos paroles. Est-ce que nous avons appris le langage d'honneur Comment est-ce que Dieu, il a communiqué son honneur Ça nous interpelle aussi. Prenons par exemple peut-être la phrase la plus fameuse dans le Nouveau Testament quand Dieu le Père parle à son Fils. Est-ce qu'on peut décortiquer cela deux, trois secondes pour regarder cela, c'est le langage d'honneur. C'est pour ça que je veux y focaliser. Il dit devant tout le monde, Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il a dit Mais Déjà, son langage a montré une certaine fierté. Voici, je veux que vous voyez, voici, je veux que vous aussi vous admirez qui il est, mon fils. Est-ce qu'on peut cultiver cette même habitude Peut-être le dimanche matin, quand nous faisons des présentations. Par exemple, si je veux te présenter à la personne à côté de toi, je vais dire, est-ce que tu as déjà rencontré ce jeune homme Il est très consacré à tel et tel euh, service dans l'Église, il est euh, très fidèle à sa poste, il est très gentil. Je te le présente. Qu'est-ce que je viens de faire Voici mon ami, voici mon coéquipier, voici... Mon frère en Christ, et voici sa valeur à mes yeux. Est-ce que vous vous rendez compte Ça peut devenir un réflexe au lieu de dire tel, voici tel, tel, voici tel, avec juste les prénoms. Vous voyez la différence On se donne la peine de souligner quelque chose d'admirable chez l'autre personne. Comme Dieu a fait, voici mon fils, il est bien aimé il a souligné son amour donc sa fierté et son amour pour son fils et il a pas honte de le dire devant tout le monde qui était regroupé ce jour-là lors des baptêmes voici mon fils bien-aimé et troisième chose il a dit en lui celui-là j'ai mis toute mon affection voici ce que j'éprouve comme sentiment pour cette personne cette personne est chère précieuse cette personne compte pour moi et je suis très contente de te la présenter. Vous voyez Merci Seigneur pour cet exemple, parce que cela nous inspire à parler différemment, à apprendre une nouvelle langue. Alors, le langage d'honneur consiste de quoi, au juste On va regarder quelques versets, et je prie que ces versets ne vont pas seulement faire une belle lecture pour nous ce matin, mais que ces versets soient carrément imprégné dans nos cœurs, parce que c'est du cœur, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. OK? De quoi consiste le langage d'honneur? Numéro 1. Ce langage consiste de la vie et non de la mort. Philippiens 2, 14 à 16. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Versets 14 à 16. Voici ce que dit la Bible ce matin pour chacun de nous. Faites tout sans murmure, ni discussion ou ni hésitation pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche ou irrépréhensibles dans certaines versions, au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant quoi La parole de vie. Qu'est-ce que nous portons au fond de nous Non la parole de mort, mais la parole de vie. Et cette parole de vie est pour l'honneur, l'édification, la communication de ce royaume en nous, de cette présence de Jésus-Christ en nous. Au lieu de prononcer la mort, l'échec, on prononce la vie. On apporte cette vie qui est en nous selon ce verset. Mais comment faire C'est au début de la phrase. Vous avez remarqué C'est un défi. Je réalise. C'est la Bible qui le dit. Fais tout sans murmure, ni discussion. Mais tu veux dire, même si mon patron m'énerve. Oui. Pourquoi Parce que tu apportes la parole de vie. Tu apportes. Un autre esprit. Tu parles un langage qui est différent de tous tes collègues. Waouh! Quel privilège! Le Seigneur n'a pas confié la parole de vie à n'importe qui, mes amis. Il vous a choisi. Il vous a placé stratégiquement là où vous vous trouvez. Et c'est pour avoir justement cette occasion d'apporter la parole de vie et non de mort. Amen. Numéro 2. Le langage d'honneur consiste de la grâce et non de la condamnation. C'est une parole importante pour les parents, particulièrement, qui veulent éduquer leurs enfants, de toujours souligner la grâce qui est présente dans la vie de l'enfant, la grâce de Dieu qui est disponible à l'enfant, et non culpabiliser dans la correction, mais montrer un autre chemin. Vous comprenez le sens Éphésiens 2, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Oh, ça joue avec la santé de l'enfant, là, ou de l'autre personne. Aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je peux vous dire quelque chose Ce monde qui nous entoure a besoin de rencontrer la grâce de Dieu, a besoin de rencontrer un peuple qui sait édifier et non détruire, qui sait relever et non rabaisser. Et nous avons cette parole grâce à sa vérité qui, due, qui demeure dans nos cœurs et qui sort par nos bouches. La prochaine fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, mettez en pratique ce verset-là. Ne permettez pas à une parole destructive ou malsaine de sortir de votre bouche, mais pour régler le conflit, communiquez la grâce et l'édification. Vous allez voir la différence selon ce verset. C'est riche en vérité. Est-ce que je vous ai donné la bonne référence Quatre. J'ai dit quoi Deux. Éphésiens 4, 29. Merci pour la correction. Vous voyez, vous communiquez non verbalement. C'est où Elle fait quoi 4,29. Aucune parole malsaine qui sorte de votre bouche. Mais quelque chose qui sert à quoi À l'édification et qui communique grâce. C'est ça le langage d'honneur. C'est cette capacité de regarder au-delà des ennuis qu'on vous a faits, au-delà... Des soucis qu'on vous a fait et communiquer différemment. Quatre, troisième point. De quoi consiste le langage d'honneur Des paroles de réconciliation et non de division. 1 Corinthiens 5 19. Là, vous verrez le langage de notre Dieu et comment. Il veut remplir nos cœurs et nos bouches par ce langage. 1 Corinthiens 5, 19. Et si c'est une erreur de frappe, vous allez me le signaler encore. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Waouh, c'est énorme ça. Tout ce que tu as fait contre Dieu, il n'a pas tenu en compte ses fautes, ses péchés. Pourquoi Parce qu'il avait un autre objectif. Il avait un autre, une autre mission. Il est venu réconcilier ceux qui sont loin, non les condamner. C'est le bon verset. Deux Deux Corinthiens 5, 19. Merci. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Regardez et soulignez dans vos Bibles cette dernière phrase. Il a mis en nous, en vous et moi, cette parole de réconciliation. Cette parole qui nous pousse vers les autres, même si les autres sont désagréables. Qui nous pousse vers eux avec une parole de vie, avec une parole de réconciliation, avec une invitation à rencontrer celui qui nous a transformé la vie, celui qui nous a transformé le cœur. C'est ça, la parole de réconciliation ouvre la porte pour ceux et celles qui marchent dans les ténèbres de venir à la lumière. Quel honneur le Seigneur nous fait en nous donnant cette parole de réconciliation. Numéro 4, de quoi consiste le langage d'honneur des paroles de création ou de construction si vous préférez et non de destruction. Pour suivre le modèle, l'exemple que le, notre Dieu nous a donné, Hébreu 11.3, le monde a été formé par la parole de Dieu de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Chose intéressante, la parole de Dieu a la puissance de créer de quelque chose qui n'est pas visible. Alors, si, par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui est énervé ou agressif, ne croyez-vous pas que vous possédez, grâce au créateur qui vit en vous, la possibilité de créer la paix là où il n'y en a pas, par votre parole Vous voyez comment ça marche La capacité de créer ce qu'on peut voir de quelque chose qui est invisible. Nous exploitons rarement ce potentiel parce que nous cédons trop souvent à la chair qui réagit charnellement, de manière destructive, même dans nos relations. C'est le moment d'apprendre ce langage-là, de créer la paix là où il n'y en a pas, de créer le bien-être, de créer la confiance, de créer les choses qu'on ne voit pas encore, les choses invisibles. Comment Par la parole qui sort de notre bouche. C'est plus efficace, c'est plus puissant qu'on réalise, à condition que nous soyons vraiment focalisés et concentrés à accomplir cette mission-là, apprendre cette nouvelle langue. Vous êtes partant Vous voulez l'apprendre avec moi On termine avec deux points. De quoi consiste le langage d'honneur numéro 5 De confiance et non de méfiance. J'ai fait une découverte hier soir en étudiant la parole de Dieu. Dans le livre de Zacharie, nous trouvons Dieu devant son peuple au bout des 70 années de captivité en Babylonie. Et cette captivité était due en partie à leur désobéissance. Alors, le prophète Zacharie, il est présent, et il enregistre comme un dialogue entre Dieu et un ange qu'il a eu par un rêve. Et dans ce qu'il a écrit, j'ai observé quelque chose. Malgré l'entêtement du peuple, malgré les bêtises, les rébellions, les désobéissances constantes pendant X générations du peuple de Dieu, voici ce qui est écrit dans chapitre 1, verset 13. L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes. Par des paroles de consolation à cet ange qui parlait. Ça m'a marquée parce que, même étant juste, étant souverain, humainement parlant, je me suis dit Mais Dieu, il avait quand même le droit de juger son peuple pour leur bêtises. Il a choisi de ne pas le faire, comme il a fait pour vous et moi, nous qui avons mérité le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé à la place La parole de vérité, les paroles de consolation, les paroles d'espérance, les paroles bienfaisantes. Tout comme Dieu a fait pour son peuple à l'époque. Et verset 16, un peu plus loin dans le chapitre, nous précise même qu'il a conclu son discours avec une promesse Je reviendrai à Jérusalem et je viendrai avec compassion et ma maison y sera rebâtie. Malgré l'entêtement et tout cela, Dieu a fait un pas. Et il a parlé différemment que ce que le peuple méritait. C'est ça, le langage d'honneur. C'est un langage que vous et moi, nous pourrons apprendre. Point numéro 6. Le langage d'honneur consiste des paroles de bénédiction et non de malédiction. Vous avez tout compris. Voici le dilemme. Jacques, qui était pasteur, d'une église à Jérusalem, il a écrit quelque chose de très révélateur concernant la nature humaine. Jacques chapitre 3, versets 8 à 10. Regardez bien. Jacques 3, 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Oh, mais c'est terrible. C'est décourageant, non que veux-tu que je fasse avec ma langue, Seigneur, si je n'arrive pas à la dompter? Regarde sa description de la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, regarde ce qu'on fait. Nous bénissons le Seigneur notre Père le dimanche matin. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu le lundi matin. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ouf! Alors, ça peut vite décourager, sauf si on comprend quelque chose. C'est vrai, aucun homme peut dompter ma langue. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit peut le dompter. Aucune personne peut maîtriser ma langue, mais le Saint-Esprit la maîtriser. Donc, ce que je cherche dans ma marche avec Dieu et dans ma marche avec vous, mes frères et sœurs, c'est que ma langue soit inspirée et utilisée par le Saint-Esprit. Pourquoi Parce qu'il sait parler le langage d'honneur. Il sait communiquer les valeurs du royaume de Dieu à travers ma bouche. C'est un apprentissage, mais je crois qu'on fait du progrès et on va continuer à faire du progrès ensemble dans ce domaine-là. Amen. Alors, la solution, si nous cherchons à être transformés au niveau de notre langage, on a des astuces pratiques, ça c'est utile à mettre en application dans notre vie quotidienne. On a découvert que de l'abondance du cœur, la bouche parle, donc il s'agit de la transformation du cœur, après tout. Il s'agit d'avoir en plus grande mesure le cœur de notre Dieu. Parce que son cœur est rempli de grâce, son cœur est rempli de compassion, son cœur est rempli d'édification, son cœur est rempli de confiance et de bénédiction. Vous voyez Donc plus je possède son cœur en moi, plus ma bouche sera maîtrisée par lui et non par ma chair. Et j'ai découvert, même dans la parole de Dieu, deux exemples pour clôturer, deux prophètes que Dieu voulait utiliser pour apporter sa parole de vie dans leur contexte particulier. Des contextes pas faciles, j'avoue. Des contextes assez difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, le Seigneur est venu à leur rencontre. On va regarder cela. Et puis, on va venir à la rencontre de notre Dieu. Amen. Jérémie 1, 9. Jérémie, un jeune prophète qui se lève à un moment essentiel pour l'histoire d'Israël. Et il se lève, il reçoit une révélation de Dieu, et dans cette révélation, une des choses que Dieu lui dit est ceci. Chapitre 1, verset 9. L'Éternel étendit la main et toucha ma... Wow, cette rencontre n'a pas laissé Jérémie indifférent. Il a touché la bouche de ce jeune prophète. Et regarde ce que Dieu a dit. Voici, dit l'Éternel, je mets quoi? Mes paroles dans ta bouche. C'est à partir de ce moment-là que Jérémie était qualifié d'exercer son ministère de prophète. Il a laissé l'Éternel toucher sa bouche. Il n'y a pas de mystère. On peut s appli appliquer des astuces. Mais surtout, ce qui change nos habitudes et notre mentalité, c'est cette rencontre avec le Dieu vivant, avec le Dieu puissant qui peut tout transformer. Regardez le livre d'Ésaïe pour terminer. Un autre prophète a vécu quelque chose de fort qui a vraiment lancé cet homme dans sa destinée. Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 7. Et puis après, on va prier. Il décrit un peu les événements qui précédaient cette rencontre, mais vers la fin, j'aimerais souligner les versets 5 à 7. Voici Esaïe. Il est frustré, il regarde autour de lui, il se rend compte à quel point il est, il est dans un environnement malsain. D'accord Et il crie Malheur à moi Je suis perdu parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite même. Dans ce contexte-là, dans cette société, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais là, mes yeux ont vu quelque chose. Mes yeux, dans ma saleté, dans mon état, ont vu le roi, l'éternel des armées. Et regarde ce qui se passe quand Dieu est venu à sa rencontre. Il voyait un hôtel avec des anges, des séraphins. Et un de ces séraphins vola vers Esaïe tenant à la main une pierre ardente ou une braise brûlante. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette braise Il a pris, il a touché ses lèvres. Intéressant, n'est-ce pas Pour exercer son ministère, pour devenir l'homme que Dieu a souhaité qu'il devienne, ce prophète a vécu. Cette expérience-là, il a touché ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et à ce moment-là, ce jeune homme a reconnu que sans Dieu, sans la puissance transformatrice de son Dieu, il était incapable d'accomplir sa mission. Et nous sommes aussi dans ce même cas-là. Nous avons besoin d'être touchés et transformés par notre Dieu. Et on va commencer ce matin. Dans un moment d'adoration, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre être le plus intime, le plus caché devant Dieu. Laissez Dieu transformer nos cœurs et toucher nos bouches pour que la France puisse voir un peuple qui parle le langage d'honneur. Prions. Seigneur notre Dieu, personne n'est comme toi. Personne ne peut accomplir ce que tu as accompli, ce que tu peux faire pour nous. Nous sommes bouleversés, Seigneur, par ta manière de nous instruire, mais surtout par ta manière de transformer notre vie. Alors nous t'offrons notre vie, nous t'offrons notre cœur, nous t'offrons notre bouche, nous t'offrons nos lèvres, Seigneur Dieu. Viens maintenant, viens te révéler, viens sonder nos cœurs. Viens changer nos habitudes, viens renverser les forteresses qui ont été établies depuis des années, Seigneur Dieu. Viens arracher de nos cœurs ces mauvaises tendances, ces mauvaises habitudes, pour que toi et toi seul sois entendu par notre voix, par nos paroles. Jésus, viens maintenant à la rencontre de ton peuple. Je vous invite à vous lever, à juste lever les mains de manière sincère, d'une manière authentique, comme vous voulez présenter votre corps entier comme un sacrifice vivant devant notre Dieu l'Éternel. Et adorons-le.